Pour Balkaland, Delphine Roussy, secrétaire de section, Parti socialiste de la ville de Levallois-Perret. Bonjour, donc ce matin nous avons lancé la campagne des élections cantonales sur le canton nord de Levallois-Perret, mais nous aurons dans les mois à venir également une deuxième campagne à mener sur le canton sud, puisque ce canton va être renouvelé suite à la démission de Danielle Dussaussois, la conseillère générale actuelle. Et nous avons été très étonnés d'apprendre qu'Isabelle Balkany avait été désignée par l'UMP pour se présenter sur ce canton sud. Alors pourquoi sommes-nous étonnés? Puisque Isabelle Balkany est l'actuelle conseillère générale sur les cantons nord, et donc elle aurait pu tout à fait s'y représenter. Mais il faut croire qu'elle a peur de la défaite face à la candidate socialiste Anne-Eugénie Faure, qui est une conseillère municipale très implantée, qui fait un travail de terrain très important depuis plusieurs années, et donc qui a probablement fait peur à Isabelle Balkany, qui, ne voulant pas risquer de perdre son siège au Conseil Général, préfère se rapatrier sur un canton plus favorable à l'UMP. Donc nous allons mener de front ces deux campagnes, mais nous allons surtout mettre l'accent sur cette campagne électorale du canton Nord, où Anne-Eugénie Faure sera votre prochaine conseillère générale à compter de mars prochain. Merci.